Eh les gens, bah, comme prévu, voilà, me voici avec vous ce soir, voilà, en début de soirée. Alors je pensais 22, on est assis, c'est à table, j'essaie de malheureusement. Hein, d'accord? Il n'y a plus rien. Ça faut bien qu'on déménage bientôt. Alors ce que je devais vous dire ce soir, c'est que bah, j'anime, merci à tous pour les 79 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Alors pour le jeu Spyro Dragon, je pourrais pas le faire en entier car il y a des plateformes qui sont super dures à atteindre. Et d'ailleurs, moi je m'entraîne à les faire, mais faut sauter au tout dernier moment. Et moi je saute un petit peu avant, donc voilà. Je m'entraîne en ce moment, mais j'y arrive pas. Donc le jeu Spyro Dragon ne sera sûrement pas fait à 100%. Donc voilà. Junior, reste-le! Junior! Ouais, j'ai un fichier là. Donc voilà. Aussi, vous dire que j'ai hâte d'ouvrir le jeu. Junior, lâche-le! Le jeu Spyro Dragon, enfin Spyro Gateway to Gamer, Spyro 2. Parce que bah voilà quoi, en fait, j'ai hâte de vous le faire. Parce que en fait, si vous voulez, il y a de nouveaux personnages. Il y a beaucoup plus de cinématiques et les cinématiques sont beaucoup plus longues que dans le 1. Donc, ne vous inquiétez pas, moi j'ai hâte de vous le faire. Il est très très bien, ce jeu de Spyro Gateway to Gamer, il est très très bien, j'adore ce jeu, c'est mon jeu préféré. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un de mes jeux préférés, j'adore. Le deuxième, il est bien, enfin oui, moi c'est pour ça que le deuxième, j'adore. Parce que dans le deuxième, il y a plein de nouveaux... Il y a plein de... Il y a plein de cinématiques qui sont beaucoup plus longues que dans 1. Il y a plein de nouveaux personnages. Puis voilà quoi, c'est excellent. Sauf que dans le premier monde, il y a 6 mondes. Enfin, dans le premier jeu Spyro, dans le premier Spyro, il y a 6 mondes. Artisan, Pacifique, Ouvrier Magique, Créateur d'ennemis, Tisseur de rêve et Mesmiorc. Dans le deuxième jeu, il y a 3 mondes qui sont beaucoup plus longues. Sont beaucoup plus longs. C'est toi! Ils sont beaucoup plus longs, si vous voulez, parce qu'en fait, bah, après, en fait, si on veut dans Spyro 1, dans le jeu Spyro 1, il y a un boss dans chaque monde. Sauf que c'est des boss extrêmement faciles, vous voyez. Par contre, dans le 3, dans le Spyro 2, c'était des boss. Il y a des boss dans Spyro 1, mais ils sont vraiment faciles, hein, dans chaque monde. Dans le deuxième Spyro, il y a aussi des boss dans le deuxième, dans les mondes, dans chaque monde, ils sont beaucoup plus durs. Donc voilà, il y a trois boss. Hein. Bien sûr, mais c'est assez facile. Deuxième boss un peu plus difficile, et le troisième boss c'est vraiment très difficile, car c'est le boss des boss. Hein. C'est le boss des boss, hein, voilà. Donc, vous verrez bien que c'est un peu... Voilà. Sauf qu'il faut certaines choses pour battre le premier boss, il faut aussi... Parce que dans le deuxième Spyro, t'as des talismans à récupérer. Pour battre le premier boss, il faut 6 talismans. Pour battre le deuxième boss, il faut 4 talismans. Et pour battre le troisième boss, il faut une quarantaine de boules. Des boules qu'on collecte, hein, qu'on peut avoir, parce qu'il faut remplir certaines quêtes pour avoir les boules. Alors, on sait que le tiro 2 dragon, je le ferai pas en entier, mais je battrai le troisième boss, hein, vous inquiétez pas. Quand, je ne sais pas, mais je le battrai, hein, sûr, parce que j'ai essayé de battre. On m'avait aidé pour la première fois que je l'ai battu. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de battre. Voilà quoi, vous inquiétez pas. Ouais, vous inquiétez pas, je vais essayer de battre pour plaisir. Non, vous inquiétez pas. Donc voilà. Voilà. Donc si t'aimes, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et tout, à t'abonner. Allez. Piste mon challenge, portez bien.